Monsieur Lohi Rachid, directeur de la formation l'enseignement professionnel, et Monsieur Manri Houssi, président donc, de l'Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs, a signé la convention. Monsieur Lohi. Un partenariat et une collaboration pour la promotion de la formation l'enseignement professionnel. Elle a pour objectif l'accueil des apprentis au niveau des entreprises adhérentes à l'UMP, l'UMPE, dans le cadre du développement de l'apprentissage au niveau de la wilaya, principalement dans les métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, notamment la production industrielle. Elle a pour objectif aussi la participation à l'enrichissement de la nomenclature nationale des branches et spécialités, le perfectionnement des formateurs, la participation des formateurs aux stages d'immersion professionnelle. Et enfin, un encouragement et un accompagnement des diplômés du secteur de la formation professionnelle pour leur insertion professionnelle et la création des entreprises. Attention, nous invitons, sur le reste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous invitons Madame Tizi Bouali Naïma, présidente de l'antenne de l'Académie de la sécurité routière au niveau de la ville de Tizi Ouzou. Cette convention vient renforcer la passerelle déjà existante entre le secteur de la formation et l'enseignement professionnel, de par sa dimension éducative et de la société civile. La convention a pour objectif la sensibilisation et l'information des apprenants et du personnel du secteur sur la sécurité routière, l'encouragement et l'accompagnement des apprenants à la création des clubs sur la prévention de la sécurité routière au sein des établissements de formation, participation à la promotion de la formation et l'enseignement professionnel auprès de toutes les couches de la société. Donc, monsieur Lohi, vous restez encore. Nous invitons monsieur Sidiqi Abdelrahman, président de l'association Wilayat Prévention Routière, les Amis de la Route. Cette convention va s'articuler sur les activités et les actions suivantes. Organisation des portes ouvertes, des rencontres, des journées de formation et des caravanes de sensibilisation et d'information, notamment durant la saison estivale. L'encouragement et l'accompagnement des apprenants à créer des clubs sur la prévention routière au niveau des établissements de formation. Promouvoir l'éducation et la formation, l'information et la culture de la sécurité routière auprès des apprenants de la formation professionnelle pour en faire des citoyens responsables. De Wagnoun et Monsieur Djoudi Hassan de l'imprimerie Djoudi. Monsieur Djoudi. Cette convention est une convention de formation entre l'Institut et l'imprimerie Djoudi implantée à Wagnoun. Principalement, elle a pour objectif de mettre à disposition de l'équipe pédagogique de l'Institut l'expertise et la technologie de l'imprimerie Djoudi. Accueillir également les apprenants de cet institut dans le cadre des stages pratiques au milieu professionnel et de l'entreprise au niveau de l'Institut. Pour une dernière convention, nous invitons la directrice de la maison de jeunes, Madame Mahrez Fatma, à se rapprocher de la table. Merci avec madame. Cette convention, c'est la mise en œuvre d'une convention wilaya qui a été signée entre le directeur et la formation de l'IDGS. Elle s'inscrit autour de l'organisation des activités conjointes entre le secteur, entre l'Institut et la maison de jeunes, notamment dans la campagne de sensibilisation et d'information sur les phénomènes sociaux et de promouvoir les activités sportives au niveau des établissements.